Yo les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, bienvenue sur cette vidéo. Alors écoutez les amis, regardez-la entière, vraiment, je sais qu'elle est longue, je sais que ça va être chiant, mais ça va pas être chiant. Pourquoi? Parce que à la fin les amis, je vais vous partager vraiment dans les coulisses que je fais en interne, ce qui a vraiment changé ma vie du tout au tout. Et cette journée d'entrepreneur les amis, il faut vraiment que vous captiez les millimètres, que vous captiez les choses qui font la différence. Commentez les amis, à chaque fois que vous voyez un petit truc, vous dites ah oui ça moi je sais que je fais ça, ça ça m'a aidé, ça également. Donc commentez au maximum, partagez, regardez cette vidéo entière, je vous le jure, je me mets deux mains à couper. Vous regardez cette vidéo entière, elle peut changer votre vie. Donc c'est parti les amis, on y va, on va s'éclater, on va bien s'amuser, ciao ciao. Salut tout le monde, il est exactement 9h25. Et on rejoint monsieur Gallarato dans son lit king size. Salut. Ça va et toi, t'as passé une bonne nuit? Je suis explosé. On est deux. Bon, ça y est, il est 10h du matin, on est enfin levé. Là, ça y est, je suis frais, je suis bien, je viens de me lever. Donc, on va faire une journée de fou, je vais tout vous montrer. Là, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais vous montrer comment je prends le petit déj le matin. Après, je vais vous montrer que toujours, il faut ranger la maison pour se sentir bien, clean, etc. Après, on va travailler, on va chiller, on va faire plein de trucs. Mais d'abord, petit déjeuner. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce que tu déjeunes? Je déjeune, bon, je vais pas te montrer, ça va être 600 ans, mais le matin, je me fais généralement un œuf et un shaker. C'est le coach sportif qui m'a dit ça, avec du farine de sarrasin, de la protéine en poudre, un œuf, tout ça dans un shaker, je me pose. Et on y va. Allez, go. Go. Donc, tous les matins, je mets ma petite musique avec la mer, je prends mon petit shaker et je réponds à tous les messages que j'ai pas eu envie de répondre le soir ou j'ai eu la flemme ou quoi que ce soit. Donc là, je réponds à tous les messages, je vérifie un peu les réseaux sur Facebook, Instagram. 2-3 trucs, je planifie un petit peu ma journée aussi avec des notes et tout, je vais vous montrer. Voilà, c'est le petit moment détente avant d'attaquer la journée. Bon, on a pris le petit déj, c'est bon, maintenant on va ranger la maison pour se sentir bien dans la tête, c'est très important. Je sais pas vous si votre maison elle est en bordel, votre chambre elle est en bordel, mais toujours que ça soit propre, que ça soit nickel pour que vous ayez des bonnes idées, etc. Donc là, je vais pas le faire seul, je vais le faire avec Amélie qui est derrière la caméra et je vais même vous la présenter, vous expliquer qui c'est parce qu'elle a un gros rôle à jouer. Bien. T'es fort toi. Salut ou pas? Allez. Ça va? Ça va très bien, toi? La fille gênée. Bon, présente-toi. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans. Et du coup, bah, maintenant, je travaille avec Kevin, qui est un frérot, un ami. Et je suis également son bras droit, son assistante, personnelle, s'il vous plaît. Et quoi d'autre? Bah, c'est bon, c'est bien. C'est très bien, voilà, c'est déjà pas mal. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc Amélie c'est une sœurette, c'est une amie, mais quand elle vous a dit assistante, c'est qu'aujourd'hui on travaille ensemble de très près. Et ça je vous l'expliquerai, mais moi dans mon visu entrepreneurial, si on parle un peu business, c'est comment je peux donner mes efforts et mon temps à ce qui est productif pour moi. Et forcément si j'ai une personne avec moi qui peut m'aider dans certaines tâches, dans certaines choses, ça va beaucoup plus vite. Donc elle m'aide dans le business, elle m'aide dans ma vie tous les jours, c'est-à-dire que là, elle est là. Donc quand je dis je vais ranger la maison, c'est on va ranger la maison, elle va m'aider. S'il y a besoin de faire certaines tâches, elle est là, elle m'aide, elle m'épaule. Et ça, ça a fait un changement incroyable dans ma vie, dans mon business. Donc je la remercie fois mille. Et là, elle tient la caméra, c'est top. Et voilà. Donc là, go! Franchement, go! Allez! Chill, donc piscine, bronzage pendant que... Quoi? Amélie, elle va nous faire les petites courses, vous allez voir, elle fait ça très bien. Et elle va préparer certains repas de la semaine, parce que comme on fait le sport, etc., il faut que tout soit carré, mesuré, millimétré. Et elle gère trop pour ça, donc... Tu peux prendre la Porsche. tu remets du quinoa ou pas? Ouais. Sauf pas là. Regardez... qui... Oh,
bah, je pars avec la voiture de fonction, je te la ramène après. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So passé. Parfaitement bien passé. J'étais rapide, non? Très rapide. Bon, après un super repas préparé par Amélie. Bon, quand je suis seul, les amis, je me fais quand même à manger, hein, sachez-le. Mais donc là, on a fait les courses, le repas. Maintenant, ça, c'est tout le temps, c'est le rituel. Je suis intransigeant là-dessus. À chaque fois, quand je mange, toujours j'ai l'ordinateur et je me mets une vidéo, que ce soit de mon personnel, une vidéo instructive. Il faut que j'apprenne quelque chose. Donc là, en ce moment, je suis très dans le délire ou motivation. Vraiment, je veux mettre en moi des émotions. J'ai envie de tout casser, tout arracher. Donc là, c'est moins instructif. C'est vraiment de la motivation pure et dure. Donc là, je vais me foutre des vidéos, je sais pas moi, de Tony Robbins ou des conneries comme ça, mais un truc qui me prend. Pendant 10 minutes, je mange, ça me fracasse le cerveau. Et ensuite, je peux réattaquer la journée comme un ouf. Petit rendez-vous sur Zoom. Zoom, tout le monde connaît, une application, c'est comme Skype, mais 10 fois mieux. Donc en fait, tous mes rendez-vous, généralement, je les fais sur Zoom, ça évite de se déplacer, etc. Donc là, j'en ai eu pour 45 minutes. C'était une personne qui proposait un business, voir s'il fallait investir, pas investir. Donc c'est un domaine un peu compliqué, j'ai dû comprendre, mais il faut aller plus loin. Et donc voilà, de temps en temps, il y a des petits rendez-vous comme ça, des investissements à faire, des business, des trucs, des machins. Donc là, c'était cool, on a bien kiffé. Maintenant, on va direction Saint-Raphaël, on va aller à la villa, je vais vous montrer, on va rejoindre les frérots, les sœurettes, on va passer un bon moment et on va kiffer tout ça, c'est parti. Yes. En voiture, les amis. Est-ce que j'ai une question à te poser, moi? Dis-moi. Est-ce que ton prénom, c'est Simone? Tout à fait. Et là, c'est un gros plan sur toi, c'est merveilleux. En voiture, Simone. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller à Saint-Raphaël pour une villa de ouf. Moi, je précise que je conduis et je filme, mais c'est pas moi qui filme. Donc, on va se filmer en voiture, c'est pas bien. Bon, je fais juste une petite aparté tant qu'on est en mode intimité, là. On a au moins une demi-heure de route, donc je profite pour vous parler un petit peu. Pour vous dire que là, les amis, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, vous allez le voir ce soir, c'est que je me suis entraîné, mais vous pouvez même pas imaginer, en fait, à vivre ce que je vis aujourd'hui. Ça me paraît bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est qu'il y a de cela aller à peu près 2 ans, j'avais ma voiture, mais quand je vous dis qu'elle était pourrie, mais c'était une horreur, une pourriture, mais les gens me regardaient parce qu'elle était, en
fait elle était invivable cette voiture. C'est-à-dire quand je roulais sur l'autoroute, les gens se tournaient, regardaient, tellement ma voiture c'était une épave, une décharge. Mais quand j'étais au volant de cette voiture, je me souviens que je roulais et à chaque fois que je roulais, je me disais ok, je visualise sur le truc, c'était une Ford Focus dégueulasse, je visualise le logo Porsche, c'est-à-dire je roulais comme ça, je ressentais les émotions, je visualisais, j'imaginais que je l'avais, j'étais comme ça, comment je me tenais, comment je me sentais et tout. Et en fait c'est des choses que je me suis beaucoup entraîné à faire pour la voiture, pour mon appartement, pour mes finances, pour plein de choses. Et ce soir on va peut-être en parler un petit peu, c'est des choses que je continue à faire, mais aujourd'hui, hasard ou pas, moi je crois pas au hasard, mais tout ce que j'ai imaginé, ben, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je conduis, mais les gens me regardent non plus parce que j'ai une voiture de merde, parce qu'ils sont impressionnés et inspirés par la voiture. Et quand moi je regarde là, ben, je vois plus le petit Ford, et maintenant je vois le petit logo Porsche. Donc j'ai entre guillemets matérialisé un petit peu ma vision. Et je peux vous le garantir les amis, vous y croyez pas, que ça soit les prières, que ça soit la loi d'attraction, que ça soit peu importe votre spiritualité les amis, créez des choses dans votre tête avant qu'elles soient matérialisées. C'est le secret, mais que vous pouvez même pas imaginer. Après il faut le faire bien, de la bonne façon, avec les bonnes émotions, avec les bonnes pensées. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Donc vraiment les amis, croyez en vos rêves, croyez en vous, croyez en tout, croyez en la vie, croyez en tout. Voilà quoi. Tu veux me voir, je t'invite à plonger dans le noir avec moi. Ah ouais, dans le bain, je navigue à contre-courant. Bon, on est bien arrivé à Saint-Raphaël. Vous allez voir la villa, elle est juste incroyable. Là, il y a les frérots, il y a les sœurettes. On va passer un bon moment, un bon mastermind. Eux, ils l'ont loué pour une semaine. Et moi, je suis juste de passage. Je dois parler, je dois discuter, je dois voir deux, trois choses. Donc voilà, ça fait partie du travail. C'est de l'amusement, mais c'est aussi du taf. C'est parti. C'est le mec qui dit. C'est plus quoi dire. Allez. Là, c'est une des plus belles vues de la Côte d'Azur. On a Saint-Raphaël. Renseignez-vous sur internet. C'est extraordinaire. Vous allez voir vraiment. Yo 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 les amis, je m'appelle Dylan Varesi. Voilà, regardez comme on est bien tous ensemble avec des entrepreneurs, des personnes qui sont déterminées. C'est important de pouvoir voilà, travailler sur ses objectifs, mais c'est aussi bon aussi de prendre du bon temps, de kiffer. Et voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour ben, voilà, produire et il y a un temps pour vraiment s'éclater dans la joie, la bonne humeur. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est content. La joie dans les yeux des gens. Bon les amis, on est en train de chiller, on s'éclate, je suis avec les frérots, Romain, c'est le sang, c'est la veine, je vous mettrai sur Instagram, ici, c'est ici, toi, le sang et la veine. Donc il a vraiment un parcours de fou, je l'ai suivi depuis le début, on s'est suivi, c'est le frérot, donc je vous laisse, il va vous apporter ce qu'il a à vous apporter en deux mots, et pour vous montrer que tout est possible, donc voilà. Voilà, donc avec toutes les personnes qui sont ici, nous étions des personnes vraiment ordinaires et nous sommes toujours des personnes ordinaires, mais peut-être en fait avec une envie qui est extraordinaire et on a pu changer nos vies à notre niveau. Et voilà, avec Kevin, Dylan, toutes les personnes ici, on était des jeunes cancres à la base, des personnes qui n'avaient rien pour eux. Et pourtant, à force d'envie en fait, on a pu obtenir ce mode de vie. Donc franchement, voilà, kiffez la vie les amis, croyez en vous, croyez en vos rêves et battez-vous en fait. Soyez épanouis, soyez bien dans votre vie, faites la différence et essayez d'être utile en fait autour de vous. Créez une différence autour de vous. Ah, ziki 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 bro. Crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Bon, on est rentré à la maison, ça y est. Donc là, il y a Amélie, je vous montre, qui est en train de faire les patates douces. Tac. Donc là. C'est ça, exactement, super valable. Donc là, elle va faire le stock des patates douces pour la semaine parce que j'en mange beaucoup. Donc elle fait ça, elle a fait le quinoa aussi, donc parfait. Et pendant ce temps-là, je vous explique ce que je vais faire. Je vais répondre à mes messages parce que j'ai des messages en attente. J'ai 2-3 trucs à traiter, j'ai même un ou deux mails à faire, je sais pas. Et comment je fais ça, je vous explique, c'est très simple. Toujours la même chose si vous regardez un petit peu les vidéos. Oula, je suis sale.
on s'en fout. Comment je fais? C'est-à-dire que toujours une feuille et un stylo, ok? Et on marque. Numéro 1, on doit faire ça. Numéro 2, on doit faire ça. Numéro 3. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on barre et on enchaîne. Donc ça, c'est une méthodologie de travail qui permet d'être très, très efficace et même efficient. Donc là, voilà, pendant qu'elle fait ça, une demi-heure, moi, je me focus pendant une demi-heure, je fais rien d'autre. Je travaille pendant une demi-heure et après, on repart à nos occupations. À tout. Bon, on a bien mangé, on a bien fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, c'est le moment du sport. Donc, généralement, je vais à la salle. Mais quand je peux pas, je suis chez moi, je fais le sport chez moi. Donc là, il est un petit peu tard, j'ai la flemme d'aller à la salle. Je vais me buter les pecs, je vais me démonter, mais intense pendant 30 à 40 minutes. On va voir si j'ai la force, je suis vraiment mort là. Mais on va essayer de faire le max. Bon, j'ai fait une petite séance pour être très honnête. J'ai fait plus pour la vidéo que pour autre chose parce que j'étais mort, mais bon, ça va, j'ai quand même bien fait. Maintenant, une douche, rangée pour me sentir au calme. Et là, je vais vous partager ce que je fais le soir, pas tous les soirs, mais 2 à 3 fois par semaine, c'est-à-dire que je me pose, mindset, écriture, je vais tout vous détailler. Et ensuite, on arrêtera cette vidéo pour la journée. Donc voilà, allez, petite douche et on se retrouve après. Bon, les amis, la journée se finit, mais elle n'est pas finie parce que là, il est à peu près 22h. Je vais vous montrer ce que je fais en intimité. C'est-à-dire, les amis, vraiment là, je suis là pour vous montrer les vraies choses. Je suis là pour vous apporter de la valeur. Je suis pas là pour faire le beau dans une vidéo, vraiment. Je veux que vous compreniez quelles sont les coulisses, entre guillemets, d'un succès, entre guillemets, mais vraiment vous montrer de l'interne. Donc là, c'est des choses que je fais 2 à 3 fois par semaine sur la façon dont je me sens. Je veux vraiment que vous compreniez. Donc le soir, généralement, j'ai besoin d'un moment où je suis calme. C'est-à-dire, j'arrête le téléphone, j'arrête Insta, j'arrête Facebook, j'arrête tout ça, j'arrête les messages. Et juste un moment, moi, avec moi. Les amis, c'est très important. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que vous devez prendre du temps pour vous. Beaucoup de personnes sont aspirées par leur vie, par les enfants, par la femme, par le mari, etc. Peu importe la vie que vous avez, les amis, je vous le jure, je me mets deux mains à couper. N'importe quelle personne qui prend 15 minutes par jour pour lui ou pour elle, change sa vie. Moi, c'est des choses qui sont... Pour moi, c'est inenvisageable de, pendant ma semaine, ne pas prendre 2 à 3 jours où je prends au moins 15 à 20 minutes pour moi. Donc, ce genre de moment, le soir, c'est pour moi. Pour personne d'autre, pour moi, pour mon cerveau, pour mes croyances, pour mon subconscient, pour mes rêves, pour mon avenir, pour mon futur. Donc, je vous montre en 2-2 comment je fais. Mais c'est très important, mettez de la valeur dessus. J'ai envie de m'arracher tellement pour que vous compreniez ça, c'est un truc de fou. Donc, on y va. Donc déjà les amis, la première chose, je vous le dis, je le pense sincèrement, c'est inadmissible si vous n'avez jamais pris le temps de prendre une feuille, de prendre un stylo et d'écrire des choses. Le fait les amis d'écrire vos objectifs, vos rêves, comment vous vous sentez, de faire des bilans, de faire des états de santé intérieurs, ça change une vie. Moi pour vous donner une idée les amis, ça fait 3 ans que je sais pas, peut-être tous les mois je dois me racheter un cahier parce que je les démonte, je les défonce, j'écris sans cesse. Parce que je pose sur le papier ce que j'ai dans ma tête et ça me permet de clarifier, de donner mes objectifs, toutes ces choses-là. Donc déjà, première chose, feuille, stylo. Donc moi, le soir, comment je fais? En direct, tac, mode avion, je me pose, je me détends, je passe 1 à 2 minutes à tranquille, déconnecté, me poser. Généralement, je prends mon ordinateur, j'ai une playlist carrément sur mon ordi qui s'appelle Calm, donc je vous le dis. Si vous voulez la chercher, vous tapez dans Spotify Kevin Gallarato, vous cherchez les playlists, vous allez Calm. J'ai des musiques de gladiateurs, des trucs qui me mettent tranquille et je me mets ma petite musique en fond. Donc je vous ai dit les amis, ça peut paraître bizarre, mais moi c'est comme ça. J'ai besoin d'être tranquille, d'être détendu, j'ai toute ma playlist, je vous laisse écouter. C'est des musiques de gladiateurs, des musiques tranquilles, des choses très simples. Donc,
tac, 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 et ensuite je prends ma feuille, mon stylo et j'écris. Ça dépend les sujets, ça dépend les thèmes, là on pourrait aller dans un truc de fou. Je vous invite les amis à regarder les autres vidéos de ma chaîne, j'explique plein de choses sur ça, sur comment détecter une croyance dans son subconscient, comment la changer, etc. Mais là je vous donne l'exemple, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je ferais? Là, si vous n'étiez pas là, je ferais la chose suivante. Pendant 2 à 3 minutes, j'analyserai ce qui se passe dans mon corps. J'analyserai si je me sens bien ou si je me sens mal, si j'ai des peurs quelque part, si j'ai des doutes, si j'ai des choses. Si je les ai pas, là actuellement, si vous n'étiez pas là, je le fais, tac, là je me sens très bien. J'ai pas de doute, j'ai pas de peur par rapport à quoi que ce soit. Donc là, mon travail du soir, ça serait d'augmenter mon état intérieur, ma puissance, pour être dans un état où mon cerveau il est clair, où je peux avoir des nouvelles idées et me coucher avec un état d'esprit de gagnant. Pourquoi ? Pour me lever avec un état d'esprit de gagnant. Donc comment je fais ça ? Là, je vais écrire mon futur, je vais écrire mes rêves, je vais écrire ce que je veux. Parce que là, j'ai pas besoin de travailler des trucs. Là, j'ai besoin de monter la puissance que j'ai en moi. Donc, comment je fais ça? Exactement, je vous le montre. Je marque sur ma feuille, moi, Kevin Gallarato. C'est toujours pareil. Moi, Kevin Gallarato, je désire et je marque mon objectif. Je désire dans un an, à l'été prochain, gagner 1 million de revenus nets mensuels par mois. Ok, je le marque, 1 million. Pourquoi est-ce que je les veux? Et je fais une liste. Parce que si je gagne 1 million d'euros par mois, ça va me permettre d'aider ma famille, bam. Parce que ça va me permettre de faire ça, bam. Ça va me permettre de faire ça, bam. Ça va me permettre de faire ça, bam. Et là, ça monte, vous voyez. Et quand on écrit comme ça, boum, 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 je me focus et tout, tac, tac, j'écris mon futur, j'écris mes rêves, j'y vais. Et tac, 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 ça c'est la première étape. La deuxième étape, les amis, et là, oui, vous me prenez pour un fou, mais je vous jure que ça a changé ma vie, c'est quand je sens que ça monte, et ben, je me lève, comme ça, et là... Il faut faire activer les émotions dans son corps. Pourquoi? Là, je pourrais le développer pendant 2h30, pendant 10 ans, mais pour que ce qu'il y a sur mon papier, donc là, je vous prends mon objectif personnel, dans un an, je vais faire 1 million d'euros par mois. Je vais me battre pour le faire, financièrement parlant. Après, j'ai d'autres objectifs, relationnellement, amoureusement et toutes ces choses-là. Tout est marqué, quadrillé. Mais là, si je parle des finances, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire accepter à mon subconscient que cet objectif est bon pour moi. Comment on fait? On travaille les émotions par le corps. Comment on travaille les émotions par le corps? Je vais pas le faire là parce que Amélie derrière la caméra va me prendre pour un fou, mais je vous montre. Tac, c'est très simple. Je me mets dans l'état d'esprit et boum, première chose que j'ai marqué, mettre ma famille à l'abri. Bam, je ferme les yeux. Ok, donc si j'ai 1 million d'euros par mois, je mets ma famille à l'abri et j'active le corps. Ok, j'imagine de toutes mes forces. Bam, bam, et je ne m'arrête pas tant que je pleure pas. Je ne m'arrête pas tant que mon corps ne ressent pas les émotions. Et je fais ça pour toute ma liste. Donc ça, les amis, c'est juste un petit exercice de rien du tout, que des fois ça me prend, bam, 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 bam. Là, c'est pour la détermination. Des fois, j'ai besoin de travailler la gratitude. Boum. Je travaille la gratitude, je trouve des moments de mon passé qui ont fait que je me sens fier de moi, que j'ai eu ressenti de l'amour, que j'ai été fier et je les revis. Bam, 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 bam. Pareil, il se passe des trucs. Et en faisant ça, les amis, vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur vos émotions, sur votre visualisation. Vous concrétisez vos rêves. C'est un truc de malade mental. Donc là, les amis, c'est important que vous compreniez. Vous devez prendre au moins 15 à 20 minutes par jour à travailler sur vous. Là, si je vous vois, si vous êtes en face de moi et que je vous dis quel est votre rêve dans un an, vous n'êtes pas capable de me répondre en termes de relations, de finances, de santé, d'amour, c'est pas clair, net et défini, vous n'avez pas travaillé pour vous. Tout à l'heure, les amis, vous m'avez vu faire de la musculation, ok? Ça, c'est pour muscler un corps. Muscler un corps, on s'en bat les cacahuètes. Nous, ce qu'on veut, c'est muscler un cerveau. Et si vous deviez faire de la musculation de votre cerveau? Et si ce que je suis en train de vous dire, c'était ça la musculation? Eh bien oui les amis, musclez-vous, musclez votre cerveau et vous changerez votre vie. Zbloum. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que j'ai voulu vous montrer un petit peu l'interne et je veux vraiment vous compreniez que vous devez vous sentir bien dans votre vie les amis. Peu importe ce qui se passe autour, ça se passe à l'intérieur. On s'en fout du regard des gens, on s'en fout de peu importe, on s'en fout de tout. Sentez-vous bien et peut-être que vous avez vu, c'est subtil dans la vidéo, mais aujourd'hui, cette journée, j'ai pas fait des trucs de dingue. J'ai appris à me sentir bien, j'ai passé des bons moments avec mes amis. Bon oui, il y a une qualité de vie, mais je l'ai travaillé, je le travaille. Donc les amis, apprenez à vous sentir bien. Le bonheur, c'est pas à l'extérieur, c'est dans votre cœur, les amis, sincèrement. C'est dans vos pensées, dans vos émotions. Et vous allez voir, c'est incroyable. Mais quand on se sent bien, il se passe des choses autour de nous. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous kiffe, je vous aime. Commentez si ça vous a plu. Partagez sur les réseaux sociaux un maximum. Et changez votre life, les amis. Force à vous. Bisous. À très vite. Ciao, ciao.